Ils sont au nombre de 6. 6 athlètes monégasques aux prochains Jeux Olympiques de Londres cet été. La présentation de la délégation s'est déroulée en présence du couple princier à l'hôtel Hermitage. Présentation en compagnie également de nombreuses personnalités. 6 monégasques donc, à commencer par le doyen, Damien Desprats, en compétition dans des épreuves de voile. Hervé Banti, lui, participera au triathlon. Brice Hettès en athlétisme, il est inscrit dans le 800 mètres, a rappelé sa performance au championnat d'Europe de Barcelone, où il s'est hissé jusqu'aux demi-finales. En aviron, Mathias Raymond participera pour la deuxième fois à des JO, tout comme le judoka Yann Sicardi. A noter que Yann a obtenu une médaille d'argent aux Jeux méditerranéens en 2009 et pourquoi pas une performance à Londres. Et pour finir, la touche féminine, vous le voyez sur ces images, la jeune Angélique Trinquier, 21 ans, le prince l'a désignée comme porte-drapeau. Elle participera aux 100 mètres d'eau en natation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu présenter 6 athlètes à des Jeux Olympiques. Donc ça prouve, je crois, toute la bonne santé du sport monégasque et l'implication de tous les cadres, de tous les entraîneurs, de tous les autres athlètes qui font partie du sport monégasque. Et ils ont à cœur de vraiment représenter au mieux la principauté. Et c'est ça ce qui est vraiment exceptionnellement encourageant pour nous aussi. Que ce soit une première participation pour la plupart ou la deuxième fois pour Mathias Raymond et Yann Sicardi, représenter son pays dans un tel événement sportif est unique. En tant qu'athlète, c'est vraiment le rêve de tout sportif. Donc là, de représenter la principauté, mon pays, en tant qu'athlète, c'est déjà extraordinaire, mais alors en tant que porte-drapeau, c'est une énorme fierté. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé l'athlétisme, je me suis mis Martel en tête justement pour faire les Jeux Olympiques, pour y participer et pour être un des meilleurs, quoi. Pour tout sportif amateur, à pouvoir participer aux Jeux, c'est un rêve. Pas beaucoup arrivent à le réaliser. Certains après le réalisent d'autant plus parce qu'ils arrivent à remporter une médaille. Bon, on part pas dans cette optique-là. Nous, c'est déjà une fin en soi d'y participer. Après, c'est de réaliser des bons parcours, se faire plaisir à chaque course et puis réaliser la meilleure performance possible au final. C'est un aboutissement d'une carrière sportive remplie. Ça fait des années que je cours après cette quête. Aujourd'hui, elle est là devant moi. Pouvoir la toucher enfin, c'est énorme, c'est formidable. Participer à des Jeux Olympiques n'est pas dû au hasard, mais plutôt suite à de nombreux efforts obtenus à la sueur de son front. Ce n'est pas une loterie de dernière minute, la participation aux Jeux. Ça s'appuie sur des entraînements très, très sérieux, comme l'a d'ailleurs déclaré le prince souverain. Qu'est-ce que vous pensez de cette délégation, de ce cru ? Eh bien, je le trouve joyeux et c'est vraiment la jeunesse. Il traduit ce merveilleux enthousiasme du sportif quand il atteint un peu le sommet. Et donc, je crois que ça va être une belle cuvée, je l'espère. Les 30e Jeux Olympiques d'été, JO que l'on suivra sur Monaco Info fin juillet et tout au long du mois d'août.